On retient la qualification. On sait qu'on avait à cœur de se qualifier pour les quarts de finale. C'était un match difficile aujourd'hui, un derby. Le Cap-Vert est venu avec ses armes. Je pense qu'on a fait une grosse entame de matchs. On a montré qu'un autre visage du Sénégal et ça, ça fait plaisir. Après, on a réussi à gérer le match et grâce à un petit tour de magie de Sadio, on a réussi à marquer ce but. Après, derrière, on a réussi à mettre le 2-0, mais je pense qu'on peut mieux faire encore parce qu'on pouvait gérer mieux le match. On ne va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on peut être content parce qu'être qualifié pour les quarts de finale, c'est pas pour tout le monde. Non, on pouvait gérer mieux. Je pense qu'à 9 contre 11, on était trop devant. On était 4-5 joueurs devant alors qu'il fallait contrôler le match, aller de gauche à droite et contrôler leur contre-attaque parce qu'eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc, ils lançaient tout le monde devant. Je pense qu'on n'a pas réussi aussi à déjouer leur pressing. Mais voilà, je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, ça a dû marquer. Bamba a marqué. On a fait encore un clean sheet. Donc, on peut être content ce soir. Je pense que c'est simple, si une équipe ne prend pas de but, elle a de fortes chances de gagner. Et notre objectif premier, c'est celui-là, c'est la défense, toute l'équipe, le gardien à l'attaquant, tout le monde défend bien et ensuite on essaie d'attaquer. Aujourd'hui, on a bien pressé dès le début du match, ça nous a facilité les choses derrière. Et après, voilà, en deuxième mi-temps, on a réussi à bien travailler. Je pense qu'ils ont eu peut-être une occasion. Et c'est sur ça qu'on doit travailler, être concentré de la première à la 90e minute. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être content. Difficultés, oui, il y aura des difficultés souvent parce que les équipes se mettent derrière, nous attendent, essaient de nous contrer. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde derrière. Mais après, voilà, aujourd'hui, on a débloqué les buts avec Sadio, avec Bamba. On peut être content aujourd'hui et c'est de bonne augure. Ça prouve que voilà, on est capable de marquer, on est capable aussi de ne pas prendre de buts. Donc, il faut continuer comme ça. Pas encore, on sait qu'il est en train de faire des examens. On attend les examens, mais on a eu au téléphone et ça avait l'air d'aller. Mais bon, on ne va pas prendre de risques quand même.